Sophia, je suis presque arrivée à la cathédrale. Qu'est-ce que tu peux me dire pour m'aider à localiser l'Atlas ? Je ne sais que ce que racontent les anciens. Ça fait longtemps qu'on n'y a plus mis les pieds. Il y aurait des archives souterraines, accessibles par des tunnels qui donnent sur la grande salle. Et c'est tout ce que je sais. Je vais aller voir ces tunnels. Fais attention. Un groupe de Trinitaires est sur place et d'autres sont en chemin. Une pointe de flèche fine en silex percée de trous, brisée en deux. L'empennage me dit quelque chose. L'empennage est similaire à celui des flèches qu'on trouve en Amérique. La technique a survécu à une migration au bout du monde. Attention, on a perdu le contact avec les types qui ratissent le bas de la vallée. Est-ce que vous avez un contact visuel avec eux ? Négatif. Les ennemis à craindre ? C'est peut-être juste des interférences, mais Constantin veut en être sûr.
Certains pensent que le prophète est le fils de Dieu revenu à la vie, mais il ne prétend rien de tel.
Qui est sous ces ruines colossales. Il faut creuser plus profond et plus vite. Les hommes prennent leurs précautions. Leurs précautions? Pourquoi? On n'a plus le temps pour ça. Et moi, je n'ai plus la patience. Avec tout le respect que je vous dois, si tous les hommes meurent là-dessous, nous sommes tous remplaçables, commandant. Ce qui compte, ce sont les résultats. Les enjeux sont trop importants. Même venant de toi, Lara. Ceci dit, je sais pourquoi tu n'as pas pressé la détente. Si tu me tues, mes hommes te pulvériseront en moins de deux. C'est bien la seule chose qu'ils savent faire mieux que toi. La Fermana. On ne bouge plus! Tu ne peux pas t'échapper! Tu es là! Allez! Tirez toutes les deux vers le fond!
considère mon offre, Lara. Avant qu'il ne soit trop tard. Il est trop tard depuis le moment où t'as trahi ma famille. C'est moi qui pars avec l'Atlas, Anna. Il y a quelque chose qui est en train de massacrer mes hommes, Lara. S'ils n'ont pas réussi à le trouver, tu ne le trouveras pas. Va te faire foutre. Croft arrive vers vous. Tu es là, et rapportez-moi cette saleté d'Atlas. Croft continue à nous mettre des bâtons dans les roues. Elle a rejoint les gens de la vallée dans leur cabane sordide et les a aidés à remporter une série de victoires. Oh, j'aimerais pouvoir lui faire comprendre à quel point elle se trompe. À quel point son idée de la moralité est fausse. Le monde est trop corrompu pour prendre des demi-mesures. Il ne peut pas être sauvé par une héroïne solitaire. L'idée de dévoiler l'existence de la source divine serait risible si elle n'était pas aussi dangereuse. Ai-je vraiment pensé qu'elle pouvait servir la cause des Trinitaires un jour ? Oui. Mais plus maintenant. Nous étions proches, elle et moi. Le lien est toujours là. Mais je n'ai plus le choix à présent. Elle doit être éliminée. Et je sais que c'est possible. J'ai déjà brisé des ennemis plus coriaces. Voilà. C'est forcément ça. J'ai devancé Anna. Mais je ne sais pas dans quoi j'ai mis les pieds. Il y a quelque chose d'autre qui évolue dans l'obscurité de cet endroit. Quoi qu'il en soit, je dois continuer. Je suis trop près du but. Anna pense me connaître. Et c'est peut-être le cas d'une certaine manière. Mais elle ne sait pas tout, et tant qu'elle continuera à me sous-estimer, j'aurai une chance de garder l'avantage. Vieille fresque. Et tous ces contenants. Du feu grégeois. Les soldats immortels du prophète. Armés du feu grégeois. Ils étaient impitoyables. Oh non, brûlé vif. Bon sang. Quoi? C'est pas... Dieu. Aidez-moi! Je veux juste... mourir! Mourir! Pitié! Je veux... Pitié!
Je veux mourir. Je veux mourir. Oui. Oui, merci. Merci. Faites-le. Vite. Que ça s'arrête. Aidez-moi. Je veux juste... Qui a bien pu faire ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ces contenants, ils sont encore pleins de feu grigeois. Je me demande s'il peut encore brûler. Ces contenants sont toujours pleins. Si je pouvais y mettre le feu... L'Église d'Occident a envoyé ses émissaires autoproclamés. Ah!
tourner tout seul jusqu'à ce qu'il se fringe. Petit feu. Elle est là. Non. Du soufre. Assez pour faire sauter tout cet endroit. Faut que je me brouille. Couvrez les sorties. Il faut qu'on récupère son paquet. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces choses? On les aspeille?
serait trop beau. Mets ton rythme sur l'attaque et tout ton temps des prises. Toutes les sorties sont sécurisées. On va lui descendre vers les niveaux inondés. Là, je l'ai vu. Ok, je crois que j'ai trouvé une sortie. La statue n'est pas stable. Il va falloir que je me serve du feu grégeois. Il y a sûrement d'autres contenants de feu grégeois. Il faut que je les trouve. Il ne me reste plus qu'à me débarrasser des autres renforts. Il faut d'abord que je trouve un contenant de feu grégeois.
encore des contenants de feu grégeois. Il y en a tellement. Il faut d'abord que je trouve un contenant de feu grégeois. Encore des contenants de feu grégeois. Il faut que je trouve un moyen de les amener là-bas. C'est comme s'ils étaient toujours sur le pied de guerre. Encore des contenants de feu grégeois. Il faut que je trouve un moyen de les amener là-bas. Encore des contenants de feu grégeois. Il faut que je trouve un moyen de les amener là-bas. J'ai pas encore fini ici. Je reviendrai par ce chemin-là. Je dois pouvoir me servir de cette grue pour déplacer ces contenants.
Il ne reste plus qu'un renfort. Je vais avoir besoin d'un autre contenant. Je vais avoir besoin d'un autre contenant. Je vais avoir besoin d'un autre contenant.
Il faut d'abord que je trouve un contenant de feu grégeois. Je ne me suis pas encore occupée de ça. Il faudra que je revienne. Il y a des contenants de feu grégeois, là. Il faut que j'arrive à les mettre à côté de la statue. Avec la mort de l'empereur, la grâce du prophète a pris fin. Il y a des contenants de feu grégeois, là. Il faut que j'arrive à les mettre à côté de la statue. Ça devrait dégager un peu le passage. Je dois trouver un moyen d'utiliser l'eau. Je ne me suis pas encore occupée de ça. Il faudra que je revienne. Je vais avoir besoin d'un autre contenant. Il ne faut pas le laisser près du feu. Où est-ce que je peux l'attacher ? Ça devait être très dangereux de mélanger des composants aussi volatiles. Il ne faut pas le laisser près du feu. Où est-ce que je peux l'attacher ? Il ne faut pas le laisser près du feu. Où est-ce que je peux l'attacher ?
Flash. Jacob, j'ai réussi. J'en suis sortie. Lara, Dieu merci, vous êtes vivante. Apportez-moi l'Atlas à notre observatoire, dans les montagnes. Très bien, j'arrive.
Celle-ci retrace la construction d'une grande cité. Qu'étais-je ? Lara ! Lara, est-ce que t'es là ? Jonah, c'est toi ? Ma petite Kai ! T'es vivante ! Je le savais ! Bon sang ! Jonah, qu'est-ce que tu fiches ici ? Où est-ce que t'es ? Je suis là-haut, dans une sorte de forteresse. Tu pourras remercier Jacob. Les siens m'ont récupéré à moitié mort dans la toundra. Tu as fait tout ce chemin pour me retrouver. Ça va, c'était pas si terrible. Je t'ai dit que je veillais sur toi. J'allais pas te laisser toute seule ici. Je viens à ta rencontre. Ne bouge pas de là. Ça, c'est pas au programme. Fais gaffe à toi. Lara, ravi que vous soyez toujours des nôtres. Les envahisseurs sont disséminés dans la vallée. On tente de les repousser partout où on le peut. Si vous voulez nous y aider, vous êtes la bienvenue. On sait qu'on peut vous faire confiance.
Jonah ! T'as pas bonne mine. Mais au moins, t'as le sourire. J'avais raison, Jonah. Mon père avait raison. La source divine existe. J'aurais tant voulu qu'il voie ça. Il serait tellement fier. Sophia m'a dit tout ce que t'as fait pour son peuple. Lara, ravie de te revoir, Sophia. Jacob t'attend dans l'observatoire. Jonah, tire sur ces chaînes. Avec plaisir. Servir pour planifier la construction de la cité. C'est comme un dessin technique. Exactement. On dirait que tout l'ensemble émane de ce point. Ce qui placerait le cœur de la cité juste sous le lac. Mais il y a quelque chose qui cloche. La cathédrale, où se trouvait l'Atlas, elle n'est pas du bon côté du plan. Fais-le encore pivoter. Je ne se trouve pas sous le lac. La cité sous le glacier. Et c'est là aussi qu'est la source divine. Comment on va faire pour traverser cette glace? Attends. Ce chemin-là mène droit à la cité. La cathédrale se trouve là. Et la tour est de l'autre côté. Ce qui veut dire que l'entrée de Kitej est forcément... ici. L'entrée de Kitej est ici. Vous le saviez. Faudra pas longtemps au Trinitaire pour découvrir où se trouve la source. Mais... je peux pas laisser tomber Jonah. Même si ça implique de faire une croix sur la vérité que vous recherchez. Il a risqué sa vie pour m'accompagner ici. J'ai déjà failli perdre une fois. Ça m'a suffi. Allez-y. Faites ce qu'il faut. Oh.
Si Jonah est en vie, ils doivent le détenir dans l'ancien goulag soviétique. Je n'ai aucune envie de retourner dans cet endroit sinistre. Mais je ne peux pas le laisser aux mains des Trinitaires. Jonah, tiens bon. Sophia, tu es là ? Lara, est-ce que tout va bien ? Oui, je suis près de l'usine de cuivre. J'ai une vue imprenable sur le goulag. Je m'apprête à aller chercher Jonah. Je vois où tu es. On a caché une réserve d'armes dans ce coin la première fois qu'on a attaqué les Trinitaires. Tu vas en avoir besoin. Merci, Sophia. On se revoit quand j'aurai réglé ça. Encore de la propagande. La dernière fois que je t'ai vue, t'étais... Bon sang, Lara. T'as pas intérêt à être morte. Après l'avalanche, j'ai juste entendu un son. Un faible écho, mais... Je suis persuadé que c'était ta voix. Je sais que je l'ai entendu. Je sais que t'as survécu. À l'avalanche, au moins. J'ai aucune nouvelle depuis. Mais je vais continuer d'essayer. Je sais que tu m'as dit de partir, de me mettre à l'abri, mais... Tu pensais vraiment que j'allais te laisser ici ? Allez, tu me connais mieux que ça. Ils ont Jonah maintenant, et l'Atlas. Mais s'ils pensent qu'il sait quelque chose, il y a encore une chance qu'ils le gardent prisonnier. J'espère simplement que Jonah tiendra le coup, le temps que je le retrouve. Je dois le ramener. Je ne le laisserai pas mourir ici. Tiens mon Jonah, j'arrive.
La tempête se rapproche. Thank you.
La grammaire est un peu grossière, mais ça doit mener à un endroit secret. Bonjour. Vous avez vu la mine près du vieux complexe soviétique? Beaucoup des nôtres y sont morts. Attention aux amanites phalloïdes qui poussent dans la vallée. Elles ne sont pas appétissantes, mais elles font un puissant poison. Salutations. Beaucoup des nôtres ont travaillé à la mine pour les soviétiques. Même après les avoir chassés, ils sont morts d'une maladie étrange. Beaucoup de lieux dans la vallée sont marqués de carillons et de totems. Ils ont été placés par nos ancêtres. Vous feriez bien de ne pas trop vous en approcher.
Damien, le maçon du prophète. Les plans ne suffisent pas pour bâtir une ville. Il faut...
vous revoilà. Bien. Alors vous pouvez nous aider. Quel est le problème ? J'ai déployé des guerriers dans toute la vallée. La nuit dernière, deux de mes meilleurs éléments ont été capturés, et j'ai de bonnes raisons de croire qu'ils sont encore en vie. Le troisième a réussi à s'échapper, et il m'a dit qu'on les avait emmenés sous la gare. Il a vu qu'on les enfermait dans des cages avant de prendre la fuite. J'ai une dizaine d'autres guerriers dans la vallée, et je dois rester ici pour coordonner leurs attaques. Mais vous, j'ai vu de quoi vous étiez capable. Et je dois vous demander de nous aider. Oui. Oui, bien sûr. Merci. Ils étaient conscients des risques et seraient heureux de mourir pour notre cause. Mais je ne peux pas rester à rien faire.
Par ici. Ça va aller. Je vais vous faire sortir de là. Allez, restez discret et ne vous arrêtez pas. Vous nous avez sauvé la vie. On est content de vous avoir parmi nous. Merci. Votre aide est très appréciée. On connaît ces terres, mais nos effectifs baissent d'une saison à l'autre. La carte d'identité du goulag d'un des prisonniers. Thank you.
Un rosaire. Ces billes ont été polies par les frottements. J'ai trouvé vos guerriers. Ils sont vivants. Je commence à croire que votre venue dans notre vallée n'était pas un accident, Lara Croft. Vous savez qu'on n'a pas grand-chose à offrir, mais j'espère que ça vous aidera. T'as vu les photos dans le bureau de la ville?
piste. Elle doit être très ancienne. Ça devait être un encensoir, pour brûler de l'encens, mais il a été transformé.
C'est quoi ce bruit ? Une étoffe rituelle portée par les prêtres pendant la messe. Contrepoids est coincé. Je dois franchir cette porte. C'était une sorte d'hôtel. Les pèlerins venaient prier ici. Sans cet endroit divin creusé par le vent dans la roche, nous nous serions perdus à jamais. Au moins, ce contrepoids fonctionne toujours. Si j'arrive à abaisser la porte, je devrais pouvoir grimper plus haut. Il paraît que la première fois qu'on l'entend, ce son reste gravé en vous à jamais. Le contrepoids. Je dois arriver à le libérer.
Oui. C'est mieux comme ça. Je dois revoir mon timing. Il ne reste plus qu'à ouvrir la porte. Incroyable. C'est une formation naturelle. Encore un codex. Il contient une série de méditations sur la volonté.
On dirait qu'ils sont partis précipitamment. Est-ce que les Soviétiques auraient trouvé quelque chose ? Le prophète était persécuté, de même que ses fidèles. Il y a de l'eau en dessous. Et pas qu'un peu. Une pièce d'or frappée à l'image d'une ville. Et voilà le prophète. Ça devait être la monnaie officielle de Kitej. Le visage du prophète, frappé dans l'or. Les orfèvres de la cité commençaient à développer leur propre style. Mais on reconnaît l'influence byzantine. Ça doit faire partie du système. C'est parti.
Un baril de pétrole. L'eau est en train de tout éroder. À ce rythme, il ne restera plus rien d'ici quelques dizaines d'années. C'est une citerne.
Le niveau de l'eau... Il n'est pas régulier. Cette plateforme, elle a l'air d'être connectée à la vanne. Traverser à la nage maintenant. Il devrait y avoir largement assez de pétrole ici pour éclairer les passages souterrains. Mais sois prudent.
Une autre barrière. Mais comment l'atteindre ? Pardonne le retard de cette lettre. Manuscrits anciens, des dons de la Terre.
Come on.
Ah, te revoilà. Si t'as encore de l'or pour moi, je te l'échange contre du matériel. Je crois pas qu'il nous ait repérés, mais essaie d'être discrète, ok? En vente libre, depuis un moment. C'est ce qui se fait de mieux. Soyez prudente avec ça. J'étais sûr que vous le choisiriez. Je sais que je ne t'ai jamais beaucoup parlé de ta mère, Lara. Mais sache que malgré le peu de temps qu'elle a passé avec toi, elle t'aimait plus que tout au monde. Nous étions très heureux tous les trois. Et quand elle nous a quittés, j'étais dévasté. Je le suis toujours. J'espère trouver un jour un moyen de faire disparaître cette douleur. Pour moi, il est trop tard. Mais pour les autres... Je commence à radoter. Je n'aurais pas dû prendre ce dernier verre.
Faites beau rêve, ma puce. Est-ce que c'était pour elle? Ces questions sur la vie auxquelles tu voulais tant répondre? Ou était-ce juste une excuse? Peut-être que je te faisais trop penser à elle. Bon sang, Lara, tu parles d'un fantôme. Avec un autre fantôme. C'est peut-être toi qui as besoin d'un verre.